tu lances full line, tu laisses couler un peu et après tu travailles. Ça fait plus de 30 années que je pêche le bar à la mouche en Bretagne. Et quand j'ai relancé mon activité de guide de pêche professionnelle en 2009, j'ai décidé de me spécialiser entre autres dans la pêche du bar à la mouche. Et pour cela, j'ai investi dans un bateau que j'ai conçu spécialement pour la pêche sur les zones peu profondes des estuaires et des côtes bretonnes. Un bateau que j'ai vraiment adapté en fonction de ce que j'ai pu observer au cours de tous mes reportages dans les Caraïbes, en particulier aux Bahamas, à Cuba et en Floride. Ce bateau est particulièrement adapté à la pêche à la mouche parce qu'il a un tirant d'eau extrêmement faible, donc on passe dans très 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 peu d'eau. Il est léger, facile à mettre à l'eau et à sortir, donc je peux le mettre à l'eau un peu en fonction des conditions dans différents ports de Bretagne Nord. Et il est motorisé assez puissamment à l'arrière, ce qui permet d'aller d'un point à l'autre très très vite. Et surtout, il est équipé d'un moteur électrique puissant à l'avant qui me permet de faire des approches extrêmement discrètes et de longer les bordures dans très très peu d'eau, ce qu'aucun autre bateau peut faire. Donc le Finistère, c'est un véritable paradis pour la pêche du bar à la mouche. On a des territoires exceptionnels, des milliers d'hectares de zones favorables à la pêche du bar à la mouche, des eaux claires, tous ces estuaires, ces rias, ces abers, où se mêlent eau douce et eau salée, sont véritablement des paradis pour pêcher le bar à la mouche. On a une très très grande biodiversité, avec énormément d'environnements marins qui se jouxent les uns avec les autres. Et on peut pêcher à la fois dans des eaux très très claires au-dessus de laminaires ou d'herbiers, et puis pêcher en zone un petit peu plus estuarienne avec des fonds sablo-vaseux, des parcs à huîtres, des zones de roches, du goémon. On a une très très grande variété d'environnements et le bar adore ça. Alors j'opère principalement sur la baie de Morlaix et la rade de Brest, qui sont mes deux territoires de guidage. La baie de Morlaix est orientée nord-sud et la rade de Brest est orientée ouest-est, ce qui me permet, en fonction de la direction du vent et de sa force, de toujours pouvoir trouver des secteurs abrités sur lesquels on peut pêcher à la mouche dans des conditions satisfaisantes. Parce que, évidemment, le vent est le facteur limitant quand il s'agit de pêcher à la mouche en mer. C'est une prestation qui s'adresse tout de même à des pêcheurs à la mouche qui ont déjà une expérience du lancer. On ne peut pas débuter la pêche à la mouche en mer, c'est pas possible. Donc, ça s'adresse à des gens qui ont déjà une expérience de la pêche avec des cannes de puissance 7 à 8, soit qui ont déjà pêché en réservoir ou qui ont déjà pêché les carnassiers à la mouche comme le brochet. Bien évidemment, en fonction du niveau de lancer des stagiaires, on peut voir tous les modes de pêche du bar à la mouche, de la soie flottante jusqu'à la soie extrêmement plongeante. Tout dépend des conditions du moment, mais je suis totalement équipé pour faire pêcher de soie flottante à soie ultra plongeante en 550 grains, par exemple, pour aller chercher des poissons dans des courants puissants jusqu'à 6-7 mètres de fond. Je prends jusqu'à 2 pêcheurs simultanément sur le bateau. Le bateau est équipé d'une plateforme avant et d'une plateforme arrière qui permet de pêcher dans de bonnes conditions à 2 pêcheurs.
Généralement, on alterne les positions au cours de la journée de manière à ce que tout le monde puisse bénéficier de la meilleure place, qui est quand même celle qui est située à l'avant. Et puis ensuite, je prodigue tous les conseils pour ceux qui veulent améliorer leur technique de pêche du bar à la mouche. On voit évidemment tout ce qui concerne l'approche, le lancer, le choix de la mouche, la confection des nœuds particuliers, le combat. Et je mets un point d'honneur à sensibiliser mes stagiaires et mes clients à la nécessité absolue de recycler tous les bars capturés, quelle que soit leur taille, même les plus gros. La meilleure période pour pêcher le bar à la mouche en Bretagne débute le plus souvent début mai avec le pic d'activité qui est plutôt entre la mi-juillet et la fin octobre. C'est évidemment très dépendant des conditions météo, mais on peut considérer que plus on avance en arrière-saison, plus on avance vers la fin de l'été et le début de l'automne, et meilleures sont les conditions de pêche. Donc la prestation comprend le guidage, c'est-à-dire en général 8 à 9 heures de guidage, et puis la fourniture intégrale du matériel de pêche, mouche incluse, que du matériel haut de gamme, et est inclus également le pique-nique de petits produits biologiques du terroir de chez moi. N'hésitez pas à me contacter pour découvrir ces territoires exceptionnels pour la pêche du bar à la mouche. Vous vivrez des moments inoubliables.